justifie l'équilibre de la masse M. Cette masse M est attirée par la Terre par cette force de pesanteur grand G. C'est avec cette force grand G que la masse pousse sur la table. Mais la table ne se déplace pas et ne se déforme pas non plus. Par conséquent, par la troisième loi de Newton, la table réagit à cette force d'action par la force qui est exactement opposée à cette force-là. Cette force de réaction, nous allons la dessiner avec la même origine que la force G. C'est ainsi que nous voyons que ces deux forces qui agissent sur la masse M ont comme résultante la force nulle. Et par conséquent, la masse ne bouge pas, elle est donc bien en équilibre.